Ok les potes, bienvenue pour toute nouvelle vidéo sur Sauver le Monde. Ça faisait un petit moment qu'on l'a pas fait. On peut dire c'est un peu de Sauver le Monde mais aussi pour Battle Royale parce que ce skin, vous pouvez l'avoir sur les deux modes. Donc je vous explique, en gros vous avez Sauvé le Monde. Si vous l'avez pas, ça vous donne accès à Sauver le Monde en plus si vous prenez ce skin, admettons. Vous avez du coup l'accès à Sauver le Monde. Pour ceux comme moi qui l'a déjà depuis des années, ça vous change rien de ce côté-là. Pour ceux qui l'ont pas, ça vous donne accès à pouvoir l'avoir dès que vous avez appris ce pack avec ce skin, que je vous rappelle qu'on peut jouer autant sur Sauver le Monde que sur Battle Royale. Jusque-là, je pense que on est d'accord. Vous avez du coup le petit skin héros, robot Ray, que vous voyez ici à l'écran. C'est un skin féminin, ça se voit bien, à part que c'est un robot, mais je pense que vous avez compris. On a également l'accessoire de dos, du coup, qui est juste en bas de l'écran, là, ici présent. On a également sa petite pioche, la fracasseuse de Ray. Ray, du coup, c'est un petit personnage que pour ceux qui ne connaissent pas Sauver le Monde, c'est un petit robot, du coup, qui vous donne des indication à chaque mission que vous faites. Pour ceux qui jouent à Sauver le Monde depuis longtemps, vous la connaissez bien, Madame Ray. Du coup, là, c'est en mode robot, mais un peu plus grand que la taille qu'on a de base. Enfin, bref, les 1000 debugs, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est les défis quotidiens qu'on a tous les jours. Dès que vous avez des défis quotidiens, vous avez du coup le premier ou l'avant défi, vous avez 1100 V-Bucks. Deux défis quotidiens, vous avez 200 V-Bucks, etc. C'est en une semaine, les 1000 V-Bucks, vous pouvez l'avoir très facilement. Plus les V-Bucks, vous gagnez de ce moment normalement. Pour ceux qui ont déjà Sauvé le Monde depuis longtemps, vous le connaissez bien. Du coup, je pense que cela c'est bon. Dites-moi en commentaire si je ne m'explique pas bien ou s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Pour ceux qui n'ont pas Sauvé le Monde, parce que ceux qui ont Sauvé le Monde, normalement vous devez comprendre. J'ai pas besoin de vous expliquer normalement. Ceci c'est pour que ceux qui ont Sauvé le Monde, les petits tickets en question, vous connaissez bien. De toute façon, ceux qui n'ont pas Sauvé le Monde, vous ne pouvez pas comprendre. Donc même si je vous explique, même là, c'est les tickets qu'on débloque en euros pour avoir des petites récompenses, soit des schémas d'armes ou des pièges, des héros, etc. Des petits trucs qu'on peut avoir. C'est un peu comme des mini-lamas, on va dire. C'est comme ça. Du coup, il faut accomplir les quêtes en question pour les 1000 bucks, je vous rappelle encore une fois. Du coup, le petit pack, il coûte 15,99€. On va arrondir à 16€. Donc, en vrai, c'est assez rentable dans un sens. Vous avez quand même un skin. Je pense qu'il y a des raretés bleues ou violettes. En général, c'est violette et bleu. Ça dépend des saisons. On a également la pioche, que je pense qu'il y a une pioche qui coûte de rareté vert, tout bleu, un des deux, on verra bien de toute façon dans Battle Royale. Encore une fois, les skins et la pioche est jouable dans Battle Royale. Les 1000 bucks, vous pouvez les jouer dans Sauver le Monde, mais aussi dans Battle Royale. Donc c'est plutôt assez rentable si vous voulez avoir les bucks gratuitement. Le petit skin en question, je vous rappelle que un coup que vous l'avez, vous pouvez jouer sur les deux modes. Mais les 1000 bucks, c'est vraiment en faisant les difficultés. Je répète encore deux fois de suite. Pour être sûr que tu enregistres bien, pour ceux qui n'ont pas Sauvé le Monde, vous connaissez pas totalement le fonctionnement. Du coup, moi je vais me le prendre parce que voilà, chaque saison je me le prends de toute façon. Voilà, c'est par nécessité, on va dire. Du coup, on va le prendre, les petits poteaux. Alors, on va mettre le petit truc, hop. Je mets ça pour cacher mon petit code, les gars. Puisque évidemment, je vais l'acheter, donc je vais pas vous montrer mon code non plus. Hein, de carte bancaire, quand même pas. Donc, on va aller tout de suite charger ça. Attends, ça charge. Dites-moi en commentaire ce que vous allez l'acheter ou non. Je sais que certains n'aiment pas trop genre le skin. Un peu robot, moi j'aime bien, ça va. Elle est pas trop mal, ça veut dire c'est Madame Ray. Quand on joue à Sauver le Monde, on connaît Madame Ray. Bien sûr, si vous ne jouez pas encore à Sauver le Monde, vous n'avez pas du coup la référence de Madame Ray, forcément. Du coup, le petit. Il charge. Ok. Ok, attendez. Il faut attendre un petit peu que ça se confirme. Ok. C'est bien parce qu'il y a toujours un petit code que vous recevez par téléphone. Je sais pas si vous avez cette fonctionnalité. Ça permet de savoir si c'est vraiment vous qui fait le code, etc. Je trouve c'est bien le côté sécurisé d'Epic Games. Pour ça, on n'est pas vraiment. En vrai, c'est bien. Je trouve que ils sont très sécurisés, ce que vous prenez, etc. Au moins, vous êtes sûr que c'est vous qui fait bien le code et pas quelqu'un d'autre qui vous a volé votre carte ou autre. Donc, c'est plutôt bien ça. Ok, ça charge toujours. Attends un petit peu, les gars. Ok, c'est bon. Du coup, on est bon. On retourne sur le petit pack. Hop là. Alors, la récompense du pack de Robo Ray. On va faire obtenir, bien sûr. Donc, sur le monde, elle est de rareté violette, du coup. Vous pouvez la mettre en or, mais ça, vous connaissez bien. Ça, ce sont les défis de Madame Robo Ray, du coup. Vous pouvez débloquer. Donc, on débloque. Là, ce sont les défis, du coup, en question. Je vous ai parlé tout à l'heure, on va faire obtenir. Ça va être plus simple. Donc, je vais du coup
vous montrer rapidement lié à du coup à sauver le monde. Après on ira vite fait sur le BR pour vous montrer. Du coup on va faire ça, hop. Alors voici Madame Ray, du coup on va regarder ce qu'elle fait, etc. On va faire améliorer déjà pour regarder en question. Donc c'est un skin ninja. Ça c'est intéressant parce que j'aime beaucoup jouer avec les skins ninja. Elle a l'air ultra fin comme skin. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien les skins fins comme ça. Donc si vous aimez bien le genre de skin ultra fin, les potos, elle est faite pour vous littéralement. Donc en vrai moi je trouve que le skin est plutôt jouable. Dites-moi en commentaire si vous ou non vous aimez bien ce genre de skin, etc. Moi j'aime bien, je trouve qu'elle est sympathique. Après voilà, c'est, j'aime bien que c'est un peu, c'est un skin fin. Mais moi c'est parce que à l'original, puis c'est Madame Ray quoi, que ceux qui voulaient les bails qui pouvaient comprendre. Donc on va regarder du coup, elle fait quoi. Les avantages standards, le siphon énergétique, ok. Elle a le siphon énergétique aussi plus. Ça c'est l'avantage de combattant. L'avantage de classe, bon de la main, ok. Ok, donc en vrai ça va, elle a fait des capacités qui me plaisent bien. Ça j'avoue que j'ai pas beaucoup de skins que j'utilise qui ont ces capacités là. Donc c'est ça les compétences et les avantages. Shuriken, coup de pied de faucheur, oh, ça va pas mal ça, ok. Borakes de... Ça j'aime bien des fois quand il y a plusieurs ennemis sur soi, c'est plutôt pas mal. Après à vous de l'améliorer, parce que moi je l'ai pas amélioré actuellement. Je vais l'améliorer tout de suite d'ailleurs les gars. Tiens. Après je la mettrai en art et violet en or. Là je vais d'abord l'améliorer. Alors hop là, ça, j'améliore un petit peu. Ça voit les avantages entièrement. Ça je vais la jouer, hein, je vais voir comment elle va l'avantage, etc. Je vous dirai ça en game la prochaine fois. Là j'aurai pas le temps de faire. Ok, là la son. Du coup la rareté violette. Améliorer la rareté. Est-ce que j'ai assez de trucs? Oui. Hop là. Ok, parfait, parfait. Allez au niveau 130. C'est le maximum, de toute façon. Dans sauver le monde, on pouvait pas mettre plus que 130. Donc voilà. Ok, donc en vrai. Les avantages. Voilà, j'ai tout débloqué. Allez, rareté légendaire, le PV, le bouclier. Ok, ça a l'air pas mal tout ça. A voir comment ça va donner en game, mais elle a l'air vraiment pas trop mal. En plus, c'est un skin ninja. Et je joue vraiment beaucoup avec les ninjas, comme vous pouvez voir. C'est les skins que je joue souvent. Moi, le plus souvent, c'est. Bon, il y a elle aussi, qui est Cassandra Lynx, ce skin-là, je pense que vous connaissez tous. Pour ceux qui étaient là, voilà, ce skin-là aussi. J'aime beaucoup ce skin-là parce que ses capacités sont super bien. En vrai, quand les ennemis sont proches de vous, ils ramassent des boules d'énergie. Surtout si vous avez les deux skins des marais. Là, celui-là, du coup, que je serai sûrement, genre peut-être ce soir, on verra. Madame Ray. Celui-là aussi je l'aime bien en vrai. Donc, il y a des skins que je joue plus que d'autres, ça dépend vraiment comment vous jouez. Bref, voilà, le petit skin du coup on l'obtient. On va aller du coup sur le BR les poteaux. On va aller voir dans le salon du coup et eh bien comment elle se donne. Donc attendez, je vais charger la petite papage les potes. On va du coup changer le mode. Hop. On attend ça charge les poteaux. Ça charge. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le mot abonné là-haut. Je sais pas si je le mets en grand comme ça ou pas. Je sais pas si je le mets en gros comme ça ou non. Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais le mettre. J'avais envie de changer en fait. En haut. Ça met un petit temps à charger hein, quand même. Il est pas pressé le truc. Hein. Là c'est ma connexion les gars. La connexion est. Des fois il y a du mal. Pourtant hein. Je charge rien spécial mais bon. Quand tu veux collection, on n'est pas pressé. Hein. Bon, ça met un petit temps. Hein. Là, vous n'êtes pas pressé les gars. Que ça va planter au milieu de la partie, ça sera un peu con. Si ça a planté. Oh, je sens que ça va planter. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça va planter. Ça m'a déjà fait le coup une fois. Donc, ce sera un peu con si ça a planté au moment où je fais la vidéo. Parce que je pourrais pas la refaire deux fois. Hein. Parce que j'ai déjà acheté le truc, donc c'est un peu con. Ok, ça charge, c'est bon. C'est en train de charger les potes. Ok. Le bouton abonne-toi, je vais mettre un peu plus par là. Voilà, pour pas qu'il gêne trop. Voilà. Ok, du coup, descend sur le monde. De Battle Royale, excusez-moi, pourquoi mon dame est en bleu? Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Ça sera un mode d'affichage. Du coup, on va directement voir le petit skin que je viens du coup de débloquer.
Enfin, débloquer, voilà. Mais là, marais, du coup. Voilà quoi ressemble, on va mettre en favori, tiens. Déjà. Pour vous montrer le Madame Ray du coup. Après elle a l'air ultra fin comme ça. Je pense que je vais la jouer tout à l'heure quand je ferai des games et tout. Je vais mettre 5 cadeaux à elle déjà. Alors attendez, 5 cadeaux à elle. 5 cadeaux il ressemble à ça. Attends, je... Waouh. C'est une sorte de petit. Ouais, moi, 5 cadeaux il est simple. Hein. Il est pas trop trop lumineux, j'aime pas trop que le 5 cadeaux. Donc trop gros, et après c'est trop voyant. Donc en vrai, ça passe, non? Vous savez pas? Oh, ça le fait, je trouve. Alors on va mettre ça, et mettre ça à pioche à elle, bien sûr. On va enlever la pioche Galaxy, on va mettre ça à pioche. Par contre, la pioche, elle est peut-être simple, mais en vrai, j'aime bien. Ça va, c'est un petit côté... On va goûter le bruit, par contre, parce que j'ai pas goûté le bruit. Bon, ça va, le bruit de la pioche. Ça passe, comme on dit. Du coup, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez bien le skin? Peut-être qu'il y a beaucoup qui vont pas aimer, moi j'aime bien parce que à côté original. Puis bon, ceux qui jouent à Sauver le Monde comme moi depuis longtemps, on connaît Madame Red, donc forcément on a un petit côté nostalgique de Sauver le Monde. Pour vous qui jouez peut-être pas à Sauver le Monde beaucoup, ou presque jamais, voire même jamais du tout, parce que vous l'avez peut-être pas encore, bah vous n'avez pas de la nostalgie comme nous, peut-être que ça vous intéresserait peut-être beaucoup moins. De toute façon, chaque saison, il sort un nouveau skin rapport à Sauver le Monde, qu'on peut jouer sur Battle Royale. Donc si vous n'aimez pas ce skin-là, peut-être que celui de la saison 5 sortira. Oh, pas que Sauver le Monde, vous l'aimerez peut-être, je sais pas. Du coup, j'aurai 1000 V-Bucks en faisant les défis quotidiens. Ah oui, je vous ai pas montré ça, les potos. En plus, j'ai oublié de vous montrer comment faire pour avoir les défis, etc. Et je suis bête, les gars, je suis bête. Je voulais tellement vous montrer sur le BR que j'ai oublié de vous montrer ça. Ah là là. Je suis fatigué, les gars, excusez-moi. J'ai eu une semaine assez insane, donc j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. D'ailleurs, il y aura une vidéo juste après celle-ci où je vous montrerai l'emplacement du coup du skin. 17 que je devais faire la vidéo déjà 2 jours. Malheureusement j'ai une semaine assez chargée, donc j'ai pas eu trop le temps de la faire la vidéo. Donc je vais vous montrer du coup où se trouve le skin mécano sur la map. Et qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je vais faire une vidéo juste après celle-là. Faut juste que ça charge plus vite, ce serait bien. Comme ça au moins vous pouvez voir le placement si jamais vous l'avez pas encore trouvé. Je pense que la plupart d'entre vous l'a déjà trouvé, mais ça fait 2 jours que je devais faire la vidéo quand même. Du coup, comment faire pour obtenir les 1000 V-Bucks? Alors, vous allez du coup ici, vous cliquez sur la quête également. Normalement, vous avez les défis principaux. Et là, vous avez le pack de démarrage de Madame Ray. Voilà. Voilà, tous les défis que vous pouvez faire. Dès que vous faites un défi quotidien, qui a tous les jours, du coup, un défi quotidien, il y en a un, vous obtiendrez du coup les 100 V-Bucks. Si vous faites du coup 3 défis quotidiens, ça veut dire 3 jours. D'accord? Au bout de 3 jours, vous avez 3 défis quotidiens, vous aurez du coup 200 V-Bucks. Et etc. Dès que vous montez 5 jours. Ça aurait du coup 300 V-Bucks, donc en gros 2 jours de plus que les 3 jours précédents, etc. Et au bout d'une semaine, vous avez du coup les 1000 V-Bucks, comme je vous dis tout à l'heure. Les défis quotidiens, c'est quoi? Ce sont les quêtes quotidiennes, ça s'appelle. Moi, par exemple, j'en ai un que j'ai eu aujourd'hui, et l'autre que j'ai eu ça d'hier, que j'ai pas encore fini. C'est-à-dire, par exemple, là, je fais encore 2 parties. J'aurai déjà 100 V-Bucks, plus les 100 V-Bucks de là. Donc, en tout, j'aurai 200 V-Bucks en une seule game. C'est vachement rentable, j'ai envie de vous dire. Plus là, les défis quotidiens que je vais faire tout à l'heure, par exemple, je dois tuer 150 zombies, du coup, enfin, zombies ou des carcasses, c'est la même chose. Et dès que j'aurai fait ce défi-là, ça fera du coup 2 défis à faire. Ça veut dire que demain, j'aurai un 3e défi qui va débloquer à partir de la boutique. Les défis quotidiens, c'est débloqué dès qu'on avait la boutique de tous les jours. La boutique est à 2h du matin. À 2h du matin, vous avez automatiquement un défi quotidien dans Sauver le Monde. Et du coup, ça fera le 3e défi quotidien. Donc demain, j'aurai du coup 200 V-Bucks de plus les V-Bucks que j'ai actuellement là. Ça fait quand même beaucoup de V-Bucks, vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, j'espère que même si j'ai bien expliqué. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous, oui ou non, comme je disais tout à l'heure, vous allez le prendre. Et moi sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Du coup, le placement où se trouve le skin mécano, pour ceux qui sont intéressés, de savoir du skin niveau, bah le skin 17, celui qui manque. Hein. Je veux dire sur ce, je vous dis à ce soir, pour la boutique, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et de vous abonner comme c'est marqué en haut de l'écran. Je pense que je vais mettre le mot abonné assez souvent en haut, ça change un petit peu. Sur ce, bye bye.